Yo tout le monde, c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur You, notre petit jeu coloré où on avait découvert la dernière fois, eh bien déjà une nouvelle couleur, le jaune fluo qui nous avait explosé un petit peu les yeux, et également on avait eu la mécanique des lasers avec notamment les portes qui s'ouvrent justement avec les lasers, et je pense que dans cette salle il va falloir un peu qu'on exploite tout ça, puisque bah déjà là où je suis coincé, je peux aller nulle part, donc déjà il va falloir qu'on change de couleur. Alors je vois qu'ici il y a un laser jaune, du coup le fameux jaune fluo là, parce que en fait le fond est orange, on va dire plutôt orange, et on avait débloqué le jaune fluo, donc si je me mets en jaune fluo, en fait qu'est-ce que ça me change? Ok, ça me change que ce laser là du coup fait plus de dégâts, mais je peux pas passer. Par contre ça a ouvert la porte de l'autre côté ici. Très bien. Bon, ça m'arrange pas énormément, hein, on va pas se mentir. Il faudrait que j'ouvre cette porte-là, en fait. Et cette porte-là, elle est reliée... Alors, attendez, on va se remettre dans une autre couleur. Si je me mets en bleu clair... Ah, ok. C'était pas la couleur à prendre, mais c'est pas grave. Ok, j'ai dû choisir toutes les couleurs qu'il fallait, sauf une. Ah bah oui, effectivement, parce que du coup, en mettant le bleu clair, la lumière s'est allumée. Ah, attendez, il faut que je me mette en rose. Rose ou violet, je sais pas, je crois que c'est un rose plutôt. Ok, voilà, parfait. On peut avancer jusqu'ici. Ensuite, je me mets en jaune. Du coup, ça va ouvrir, voilà, cette porte-là. Je vais pouvoir récupérer la clé. Très bien. Et là, on va pouvoir tirer la caisse et je pense qu'on va pouvoir l'emmener. Alors, il faut que je me remette en rose. Voilà, parfait. Donc, je vais faire ça. Je vais passer de l'autre côté de la caisse si je le peux. Est-ce que je le peux? Est-ce que je le peux? Je pense que... Ah, c'est pas possible. Ah, si, c'est possible, c'est possible. Je sens que c'est possible. Je pense que c'est... Voilà, j'allais dire, ça doit être vraiment serré, serré. Mais normalement, on est pas mal. Alors, si je me mets en jaune... non, pas en jaune. Si je me mets en bleu clair... Ok, voilà, parfait. Ça m'ouvre la porte. Et au moins, je vais pouvoir passer juste ici. Très bien. Alors, let's go. Je vais avancer là. Donc là, il faut que je passe en rose. Pour que ce faisceau-là, voilà, soit inoffensif. Là, normalement, ici... Je ne risque rien, je crois. Donc si je me mets en jaune, voilà, je vais pouvoir passer là et passer là. Et ici, je me mets en bleu. Ok, bon ça va au final. Il suffisait de choper la mécanique, mais ça allait. Alors là, par contre, celui-ci, peut-être qu'il va être un peu plus galère, parce que j'ai l'impression que plus ça va aller, plus ça va être compliqué, ce qui est assez logique. Alors déjà, on va se mettre en rouge, parce que je vois que le laser est rouge. Donc en rouge, ça fait ça. Ok, très bien. Et si je me mets en bleu ciel, ça fait ça. Donc à mon avis, il va falloir switcher entre les deux. Hop, le temps de faire ça. Si je me mets en bleu ciel... Ok, ah oui, du coup la caisse, je suis transparent. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors attends, on va se mettre en rouge. On va se mettre en rouge. Très bien. Et en fait, je vais... Ah ben non, j'allais dire, je vais sauter et me mettre en bleu ciel, mais non. Je vais sauter et me mettre en rouge. Non. Fallait que je saute et que je me mette en bleu ciel, mais je suis pas sûr que la caisse, elle va. Ah non, la caisse, elle a pas le temps de tomber. Elle a pas le temps de tomber. Ok. Ok, 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 ok. Alors attends, qu'est-ce que je peux faire? Si je me mets en ciel... Là, je peux pas accéder à là-bas direct. Je peux pas accéder à là-bas direct. Ok. Je ne peux pas accéder à là-bas direct. Et si je me mets... Si je me mets en bleu ciel, c'est mort. Si je me mets dans une autre couleur... Ah mais oui, en fait, je suis bête. Ah ! Je l'ai. En fait, il faut passer derrière les lasers. Ah ! J'avais pas pensé. J'avais pas pensé à ça, mais ok, très bien. Très bien, très bien. Et là, je me mets en bleu ciel, comme ça, la caisse tombe. Parfait. Ok ! Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je change de couleur, voilà. Alors, parfait, 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 j'ai juste à attendre, voilà, que la caisse se stabilise pour pas que je fasse de bêtises.
Hop, et en plus ça arrive, magnifique. Alors du coup, maintenant j'ai la clé. J'ai la clé. Bon déjà, ici je peux passer sans trop de soucis. Ok, là je pense que je ne risque plus rien. Maintenant, faut juste jouer avec les couleurs. Donc là, qu'on regarde un petit peu. Donc là, ça active ces portes-là. Ok, et si je me mets en rouge, ça active celle-ci. Ok, bon, en fait, il va juste falloir switcher une fois sur l'une, une fois sur l'autre. Et je pense qu'il n'y a pas de risque, en fait, là. Là, il n'y a aucun risque. La partie compliquée était avant, en fait. Après, au-dessus, c'est juste switcher entre l'un et l'autre. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ok, déjà, là, il y a de la couleur. Très bien. Alors, attends, là, t'es en train de me dire qu'il y a une tête de mort qui va tomber avec des lasers colorés. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, je suis mort, ok, mais c'était aussi pour tester un peu la mécanique de ce que ça faisait. Très bien. Alors là, du coup... Non, j'ai pas eu le temps. Ok, 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 je note, je sais ce qu'il faut faire, du coup j'ai compris ce qu'il fallait faire. Il faut que, hop, dès que j'arrive là, en rouge, voilà, parfait. Ok, et là, du coup, j'attends que, voilà, ça remonte, et comme ça je suis bon. Ok, alors là ça va être la même chose, sauf que, alors, attends, là, attends, je peux venir jusqu'ici. À la limite, là, je peux faire ça. Ouais, j'ai pas compris. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que... J'ai mal joué. Ok, en fait, faut que je mette toujours de la couleur. Hop. La couleur qu'il y a à l'extrémité, en fait. Ok, très bien. Et là, on peut faire n'importe quelle couleur. Donc là, je vais me mettre en une autre couleur. Et il va falloir que je passe en bleu. Ok. Voilà, ok, c'est ça. Je pense que la mécanique, ça va être la même tout le long. Par contre, ouais, c'est timing, hein. Timing. Là, c'est du violet. Il va falloir que je passe en violet maintenant. Hop. Oh là 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 là. Le timing. On est pas mal. Ok. Donc là, on est en orange. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de regarder, je me disais, le laser, du coup... Ok, bon, de toute façon, maintenant j'ai la mécanique, donc on est bon. Hop, en rouge. Ok. Voilà, je passe dans une autre couleur. Alors, pas celui-là. Voilà. Hop. Ok. On est bon. C'est bon, j'ai la mécanique, donc là on est bon. Alors, attends, pas de violet. Faut que je me mette dans une autre couleur, parce qu'il va falloir que je passe en violet, justement. Maintenant. Ok. On est revenu. Bon, ça va. Du coup, j'ai chopé la mécanique. On est bon. Donc, voilà. Là, il va falloir que je passe en... Mais en fait, j'aurais dû rester en orange. J'étais bien en orange. Hein, parce que je pense que là, faut que j'aille là. Ok. Et là, en fait, je suis très bien pour l'instant. Pour l'instant, je peux avancer. Donc, on va avancer. Alors là... Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir passer en rouge à un moment. Ça, je me doute. Ok. Et donc là... On est bon, en fait. Ok. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait encore autre chose que j'avais pas compris. Ok. Ah! Et on retrouve notre... J'allais dire notre ami. Je sais pas si c'est notre ami. Mais en tout cas, le personnage qui va certainement nous offrir... La dernière couleur. Eh oui, enfin d'ailleurs il nous l'offre pas, mais du coup on trouve la dernière couleur qui est un vert, effectivement. La dernière fois j'avais déjà émis l'hypothèse que ça allait être du vert. Très bien, alors, attention aux yeux parce que ça a l'air d'être un vert un peu pétant aussi. Hop, la dernière fois le jaune... Oui, oh la vache. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai toutes les couleurs du coup. Ah oui, ça change, waouh, waouh. Attention les yeux, là, ça clignote, là on est en boîte disco. Je peux vous dire que là, ça brille de mille feux. Ok, allez, on avance. Ah, mais du coup, maintenant, vu que j'ai toutes les couleurs, ça clignote tout le temps. Et je peux pas mettre une couleur. Ah, je peux pas mettre une seule couleur. Ah ouais, ok. La première fois que j'ai eu l'anneau, c'était la couleur du ciel. Bleu, violet, orange, rose, rouge, bleu. J'ai dit deux fois bleu. Ah non, il y avait aqua, ok. Plein de feux d'artifice
qui faisait ma réalité. Est-ce que j'étais en train de rêver? Est-ce que j'étais vivant? Mes sens, durant toute ma vie monotone, étaient perturbés par une révélation d'un seul coup. Ok, le temps, les couleurs dansées en slow motion, comme Pollock, je sais pas qui est Pollock. Ok, j'ai enlevé l'anneau et le temps est revenu à la normale. Les couleurs sont revenues en gris. Ok, mais ça m'affectait, c'est ce qui m'affectait le plus. Après avoir vu les couleurs la première fois, quand tout est redevenu normal, je pouvais me souvenir des couleurs. Je n'ai jamais eu... Ah mince, j'ai pas eu le temps de lire la fin de la phrase. Je n'ai jamais eu, je sais plus quoi. Je sais pas ce qu'elle a dit à la fin. Ou je n'ai jamais pu me oublier ça, un truc dans le genre. Ok, donc effectivement, a priori... Alors, je peux enlever l'anneau? Comment j'enlève l'anneau? Parce que là, en fait, j'ai beau me mettre sur une couleur, ça fait rien du tout. Enfin si, en fait, ça met la couleur temporairement, et puis ça la change aussitôt. Mais encore, je suis même pas sûr que ça met la couleur, parce que... Ah si. À chaque fois, ça met la couleur, mais aussitôt, ça rechange toutes les couleurs. Bon, bah écoutez, on va continuer d'avancer, et on va voir... Oula. Oula. Ah, mais je peux contrôler les couleurs, là, ça y est. Alors, par contre, comment je vais pouvoir aller là? Je pense qu'il y a une caisse. À un moment, il doit y avoir une caisse. Alors, attends, on va avancer... On va avancer par ici parce que de l'autre côté, pour l'instant, je peux pas y aller. Donc, on va faire ça. Voilà, du rose. Très bien. Alors ça... Ah, j'ai désactivé les lasers. Très intéressant. Ok, donc on a un moyen de désactiver tous les lasers d'un coup. Ok, et du coup, par contre, effectivement, j'ai besoin des lasers pour que ça ouvre la porte. Oui, ok. C'est juste qu'il faut que je change de couleur, mais on est bon. Ok. Donc on peut désactiver les lasers. Ah, un truc mortel qu'on peut désactiver. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, honnêtement. On va pas se mentir, plutôt une bonne nouvelle. Alors du coup, voilà. Et donc j'ai désactivé ça. Très bien. Attends, faut que j'aille chercher la caisse qui est tout en haut. Ok, bon, écoute, on va passer ici pour l'instant. Voilà, je vais me mettre en rouge pour passer ici. Non, en fait, j'avais pas besoin de me mettre en rouge. J'avais pas besoin. Par contre, je suis obligé de pousser les caisses parce que sinon, elles me gênent un peu. Ok, alors je sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais... À la limite, ça me dérange pas trop. Ok. Alors, en fait, je suis en train de réfléchir à quoi vont me servir les caisses. Bonne question. Faudrait que je ramène une caisse. En fait, la caisse jaune ou la caisse rouge. Faudrait que je ramène une caisse ici, en fait, pour bloquer ce chemin. Pour que je puisse passer en dessous, parce que s'il y a le faisceau, je peux pas passer. Mais il faut qu'il y ait le faisceau pour que... donc en fait, attends, il faut que je désactive le faisceau. Il y a certainement quelque chose à faire avec les caisses, là, je comprends pas encore, mais... Je pense qu'il faut que je termine en mettant tout... Faut que je descende en ayant mis toutes les caisses en plein milieu. Comme ça, je vais jouer avec les couleurs derrière, et je vais certainement pouvoir faire quelque chose, parce que... J'avoue que là, comme ça, je vois pas ce que je peux faire. Donc, je vais mettre les caisses au milieu, comme ça, je me dis, si je désactive le jaune, au moins, ça coupera le faisceau. Il y a peut-être une histoire comme ça. Hop. Bon, en vrai, je vois pas les deux caisses rouges à quoi elles servent, parce que s'il y en a une, la deuxième fait pas plus d'effet que ça, quoi. Et donc là, voilà, déjà, là, je peux passer. Très bien. Là, je peux passer. Et donc là, si je me mets en jaune... Ah. Donc en fait, les caisses rouges, fallait pas les mettre. Ok. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, on va les bouger. Petite bêtise. On essaye, hein, en même temps. Je pouvais pas savoir. Hop. Voilà. Et toi, pousse-toi. Laisse le creux pour que le faisceau puisse passer quand j'aurai enlevé le jaune. Hop. Voilà. Très bien. Alors, normalement, là, ça va être bon.
ça va être bon. Faut juste que je masque le jaune. Donc, comme ça. Et on est bon. Ok. Bon, ouais, au final, pas si compliqué, mais bon, c'est pas grave. Oula. Attention, alors là, il y a une histoire de timing. Ouh, il va falloir traverser tout, là. Ok, et aller chercher le... Ok. Ok, je vois. Alors, faut surtout se méfier de ceux qui viennent du sol. Et les autres, bah, faut passer en même temps que le timing, quoi. En gros. En gros. Ok, je pensais qu'il allait retourner direct. Ok. Ok, parfait. On est bon. Faut juste que je saute parce que là, il y a une caisse. Voilà, et je désactive. Très bien. Ah, attendez, parce que du coup, j'ai désactivé, j'ai même pas fait gaffe à ce qu'il y avait dans la salle. Donc, faut que je monte en haut. Ah, par contre, ça désactive aussi le... Ah oui, mais du coup, faut que je le désactive quand il est de l'autre côté, parce qu'il va me servir de plateforme. Bien vu. J'avoue, j'aurais pu chercher longtemps, ça. Mais, je sais pas, j'ai eu le réflexe, j'ai vu le truc, j'ai fait... Ah, ça s'arrête aussi. Ah, mais du coup, il faut l'arrêter au bon moment. Et ouais, parfait. Bon, bah, du coup, je pense que c'est exactement la même mécanique, mais de l'autre côté, hein, globalement. Je traverse, je réactive... Et puis, on est pas mal. Bon, ça va. Là, ça nous met un peu en jambe avec les leviers, là. Allez, viens par là. Viens par ici, la petite plateforme. Donc, ça sert à la fois à se protéger des lasers et à la fois de plateforme pour monter. Voilà. Bon, en vrai, j'aurais même pu le faire sans arrêter, mais bon, c'est pas grave. Oula, attention. Alors là, il y a des tapis roulants. Il y a des trucs colorés. Il y a plein de choses. Alors attends, déjà si je me mets en bleu... Ah, déjà il y a du jaune ici. C'est bon à savoir. Alors la clé, où est-ce qu'elle est? La clé est là-bas. Ok, très bien. Donc là, de toute façon, je vais me mettre en rouge parce que il faut que je monte ici. Très bien. Là, il y a une caisse rouge. Ok, je peux aller désactiver les leviers. Les lasers. Hop, déjà, on va peut-être aller faire ça, histoire de d'explorer un peu plus tranquillement. Voilà, et ici, tac. Ok. Donc là... Là. Par contre, cette porte-là, comment elle s'ouvre, cette porte? Est-ce que c'est ce levier qui ouvre la porte? Non, c'est pas ce levier qui ouvre la porte. Ah, c'est le bouton! Ok. C'est le bouton. Alors, attends, je vais juste me mettre en jaune. Ok. Donc là... Ce que t'es en train de me dire, c'est que... on va se mettre en rouge. Non. Si, mais du coup, il s'est pas mis en rouge. Voilà, ok. En fait, faut que je ramène la caisse de l'autre côté pour la mettre sur le... Ok, très bien. Très bien. Donc il faut que je désactive les lasers. Ok, c'est bon, je l'ai. Je désactive les lasers, je ramène la caisse, je réactive les lasers pour que la porte s'ouvre. Et comme ça, on sera pas mal. Ok, tac. Voilà, parfait. Parce que sinon, je pouvais pas traverser avec la caisse, vu qu'il y avait les lasers. Allez, let's go. Viens par là. Allez. Ok, on est pas mal. Donc là, et en plus déjà, d'ici, je peux réactiver les lasers. Comme ça, on est pas mal. Et je me mets en jaune. Comme ça, la porte s'ouvre. Très bien. Ok, là, on est bon. Et je mets ça ici. Ce qui a pour effet, je suppose, d'ouvrir... Oui, c'est bon, ça a ouvert de l'autre côté. Donc là, je me mets en rouge. Je passe en dessous. Voilà. Et là, je rechange de couleur, peu importe laquelle, mais je prends la clé. Et du coup, maintenant, pour aller en bas... Est-ce qu'il faudrait pas que je ramène la caisse en bas? Est-ce que ce serait pas ça? Parce que là, sinon, je me prends les pics si j'essaye de sauter. Donc, de toute façon, c'est mort. Il faut pas sauter, c'est sûr. Mais je me demande s'il faut pas que je ramène la caisse... Ah mince, attends. Je me disais, qu'est-ce qui ouvre cette porte-là? C'est le laser, justement. Mais il faut juste que je passe en jaune. Et comme un idiot, j'ai désactivé les lasers. Voilà, ok. Donc, la caisse revient par ici. Je passe en rouge. Je me mets là. Tac. Ok. Je passe en rouge.
je fais le tour. Ok. Je repasse en bleu, par exemple. Non, je passe en rouge. Je vais... Ah, mince, j'ai pas réussi. Comment j'y vais? Ok, c'est bon. Je passe en bleu. Je mets la caisse sur le jaune. Et on se met en jaune. Voilà. Ok. Et là, je me mets en une autre couleur. Ok, je me suis mis en vert. C'était peut-être pas la meilleure couleur. Mais... Voilà. Ah, il faut juste que je change de couleur pour pouvoir passer. Très bien. Ouh, et ben dis donc. Et ben dis donc, quelle aventure. Quelle aventure, quelle aventure. Alors, du coup... Ah, bah du coup, vu que j'ai débloqué le vert fluo, je peux passer ici. Je crois qu'ici, on était déjà venu à un moment. Ok, je peux passer ici, vers le phare, a priori. Très bien. Oh, il y a une nouvelle lettre. Eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'avant d'aller sur cette prochaine lettre, eh ben, on va se laisser... je vais revenir avant. Go back. Pourquoi il m'a demandé go back? Et ben voilà, on va se laisser ici. La prochaine étape, du coup, a priori, on va retourner au niveau du phare, je pense. On a vu qu'il y avait une lettre, donc comme ça, au moins, on commencera le prochain épisode avec un petit message. En tout cas, bah écoutez, j'espère que le jeu vous plaît toujours autant. Du coup, aujourd'hui, eh ben, on a débloqué le vert, à savoir la dernière couleur. Ça y est, notre cercle est... enfin plein, il nous manquait le vert fluo, et on a également découvert qu'on pouvait couper les lasers, donc encore une fois, une nouvelle façon d'altérer sur la mécanique des lasers, donc encore une fois, une nouvelle façon de jouer, dis donc, jusqu'à la fin, on aura eu à chaque fois des petits trucs qui se rajoutent, ce qui donne au final des puzzles qui commencent à être un peu compliqués, là, il y en a un peu dans tous les sens, mais c'est très très cool, et on s'en sort, donc on va pas se plaindre, des fois il y a besoin d'un peu réfléchir, mais globalement, on s'en sort plutôt bien. En tout cas, j'espère que le let's play vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre let's play sur You. Et sur ce, bye tout le monde!